Salut, poursuite de la lecture du 4WPP 16, soit le 16e papier du quatrième niveau des papiers de Wespendray. On en était au chapitre 4, au paragraphe 4 peut-être plutôt. Publication de l'ordre du jour extraterrestre dans les proches principaux médias. De nombreux chercheurs sur les ovnis attendaient qu'Obama divulgue le phénomène des ETs au public. Au début, lorsque cela ne semblait pas se produire, hein, ils l'ont justifié en affirmant qu'Obama avait été supprimé sur la question, avait éludé la question. Mais son programme consistait à révéler la vérité sur ce qui était caché dès qu'une opportunité se présenterait dans le temps. Cependant, maintenant, certains de ces mêmes chercheurs se sont rendus compte que notre président ne divulguerait peut-être rien de la sorte. Enfin, le leur de président. Il avait fait une réponse assez intéressante en encart, je vais dire. Il y a une petite émission télévisée du soir, un talk show où ils interviewent toujours le président dès qu'il s'est fait élire. Et le présentateur lui demandait donc. Il avait posé une question à propos de la zone 51 et Obama avait répondu que de toute façon, avec un brin d'humour, mais un second degré qui permet de dire la vérité en fait d'une telle manière que c'est possiblement de l'humour, ou le contraire. Et il avait dit, mais ça, c'est ce que les aliens veulent que vous croyiez. Ou il avait répondu, c'est la seule chose que les aliens nous permettent de faire. Voilà. Donc, c'est un peu de l'humour. Enfin, c'est de l'humour, c'est pas de l'humour en fait. Si on y croit et que c'est vrai, c'est pas du tout de l'humour. C'est effectivement la seule chose que ces pantins qui nous gouvernent, façon de parler, sont autorisés à faire. De l'humour sur la réalité extraterrestre. Bien, on continue. Je ne sais pas du tout si Obama va révéler quoi que ce soit, mais s'il le fait, nous savons que ce ne sera pas la vérité. Alors, qu'en est-il pour Trump? Ce sera autre chose. Je ne sais pas pourquoi quiconque, ayant une connaissance du fonctionnement des coulisses, penserait qu'Obama serait un être éclairé, assis là où il est, afin d'aider l'humanité. Pour moi, c'est une équation impossible. Il n'a jamais eu cette intention et aucun président des États-Unis n'a eu cette intention depuis JFK. Kennedy. Et même, il a été corrompu à certains égards, celui-ci. L'élite, en particulier la mafia internationale, qui travaillait main dans la main avec le gouvernement des États-Unis, et le reste toujours, a été extrêmement prudente envers ceux qu'ils permettent à la présidence depuis que les Kennedy ont tenté de révéler certaines vérités. JFK avait également prévu d'exposer ce qu'il savait au sujet de l'agenda des extraterrestres. Ronald Reagan connaissait une partie de ce qui se passait, la guerre de l'espace par exemple, mais il n'a pas tardé à faire quoi que ce soit. Ah, ben il faut voir ça, hein. Ça, il faut voir parce que ça a peut-être été vraiment le départ, hein. Il a parlé de navettes qui pouvaient amener 400 personnes. Ça n'a rien à voir donc avec les expéditions auxquelles on avait eu le lieu d'accès, d'assister, pour Apollo, quoi. 400 personnes, vous imaginez ben un sous-marin qui s'envole. D'ailleurs, un sous-marin, c'est un vaisseau qui est déjà tout prêt pour aller dans le cosmos, hein. Il est étanche, tout se passe à l'intérieur, et il y a tout ce qu'il faut dehors pour capter, ma foi, idéal. Bon, on reprend, un peu de sérieux, moi je m'y vois déjà, là. Non mais je suis sûr. Il nous montre le dernier sous-marin russe ou américain bientôt. Trump, là, s'il nous sort les sous-marins, je suis sûr que c'est des machins qui peuvent voler aussi. Même comment on appelle ça, là, le scandale des des frégates. Même ces nouvelles frégates et tout ce qui est devenu étanche au radar, vous savez, grâce à leur carrosserie particulièrement anguleuse et spéciale. Voilà, on reprend, parce que bon, là, je m'éloigne.
Donc, la guerre de l'espace, par exemple, mais il n'a pas tardé, oui, enfin, il s'est bien gardé de faire quoi que ce soit, a priori. Comme nous le savons bien, Reagan a également été touché, à l'instar des Kennedy, mais Reagan a survécu, oui, un attentat contre lui. Après Reagan, l'homme qui était le président des États-Unis dans les coulisses depuis que JFK est officiellement devenu le chef du pays, George Bush senior, donc. Cela a permis de mettre un terme à toute divulgation. Il était quand même anciennement chef de la CIA aussi, donc vraiment, lui, il avait un bon niveau. Lui, à mon avis, était au-dessus des 37 niveaux, au-dessus du niveau top secret du président de la République américaine. Après avoir siégé pendant 4 ans au poste de président, Bush s'est retiré et a continué à travailler à l'arrière-plan, mais jamais l'homme qui était le président des États-Unis dans les coulisses. Hop, 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 hop. Là, il y a de la redite. À l'arrière-plan, mais il n'a jamais cessé d'être le véritable président des États-Unis, Bush, après son élection. Malgré son âge avancé, il a maintenant 90 ans, il est toujours l'homme derrière Obama. Alors, est-ce que quelqu'un pense que tout ce qui a de la valeur en ce qui concerne la divulgation extraterrestre proviendrait de George Bush, qui est donc mort il y a, on va dire, 15 jours, a priori? À peu près, hein, on est le 4 février 2019, je vérifie parce que mes voyages, je me perds, et et donc il y a eu une cérémonie où Trump a assisté et en fait a remis aussi des petits papiers à tous les autres de la famille Bush et etc, leur état-major, on va dire, dans lesquels, à mon avis, il leur disait, un, que Bush, père, grand-père plutôt même, avait été assassiné, enfin pas assassiné, il était exécuté par une cour martiale, comme McCain, a priori, peut-être, et qu'en plus, eux-mêmes, là, toute l'équipe, avait déjà un billet aller simple pour Guantanamo. Un truc dans le genre, c'est parti des oui-dire en ce moment. On reprend. Ce que nous voyons dans les principaux médias, cependant, est une augmentation du nombre de reportages de personnes ayant vu des ovnis dans les cieux. Il y a des articles sur CNN, sur space.com et sur d'autres reportages authentiques à propos de l'eau sur Mars et de la vie sur d'autres planètes. Sans oublier les canaux History et Discovery qui exposent réellement le phénomène ET. Par conséquent, si nous appelons cela de la divulgation, les médias en sont pleins. Il y en a plein les pubs aussi, mais bon. Par contre, History, Discovery, tout ça, c'est des médias d'État. Hein. Ils nous racontent ce qu'ils veulent là-dedans. L'eau sur Mars, tous les 4 ans, ils en trouvent. La vie sur d'autres planètes, ils cherchent toujours des micro-cellules ou des traces de vie anciennes. Anciennes. Tiens, tiens. Enfin, et puis, bon, à chaque fois qu'ils recommencent le sujet, ils recommencent au départ. Même à l'époque de Walt Disney, ils allaient plus loin dans les concepts. J'ai l'impression. Oui, Walt Disney était très lié avec la NASA et la vulgarisation de ce qui se passait à la NASA auprès du public. On reprend. Les gens de la communauté UFO tiennent les chaînes d'histoire et de découverte en haut de la liste des programmes révélant l'agenda des extraterrestres, mais révèlent-ils vraiment quelque chose de valeur? Oui, ben non, ça c'est soit les derniers arrivés, soit a priori les taulés boulons, et encore, puisque. Les taux, les boulons, ils recommencent encore plus au départ qu'avant, d'habitude. J'ai regardé quelques-uns de ces programmes, à chaque fois qu'ils reposent le sujet sur la table. Ils finissent d'ailleurs le sujet en disant, alors toi, les ovnis, t'y crois? Même s'ils ont montré des aliens, même s'il y avait des contacts et tout ça, ils ne se demandent pas avec qui, qu'est-ce qui se passe, depuis quand, comment, en échange de quoi. Non, ça, ils ne se demandent jamais. Ils se demandent, mais tu y crois, toi, au truc qui flotte dans le ciel, à la fin d'une discussion? Comment on appelle ça? C'est une forme de déni. On voit quelque chose, on entend autre chose, et finalement, on met la légende de ce qu'on a entendu sur l'explication de l'image. On a vu au 11 septembre les tours tomber, et on nous a raconté que c'était les avions, alors qu'on voyait les bombes. Ouais. Moi, quand j'ai vu les explosions, je me suis dit, c'est quoi? C'est le kérosène qui explose au fur et à mesure? C'est quoi? Parce que j'ai essayé de faire la jonction avec le discours du présentateur. Ah oui, c'est de la dissonance cognitive, on appelle ça. Et puis après, là-dessus, il y a l'effet de groupe.
qui vient en rajouter une couche. Et finalement, les gens, ben, déjà que ce n'est pas un sujet qu'ils maîtrisent bien, par la suite, eh ben, ils gardent les dernières conclusions émises en tête, avec notamment tout le côté péjoratif. Et donc, ils n'y croient pas, et donc on a 100 ans de retard facilement. Oui, parce que Tesla, il faisait des trucs qui flottaient déjà, et puis ce n'était pas le premier, ni en tout cas pas le seul. On reprend. J'ai regardé quelques-uns de ses programmes et ce n'est que du vide. Voilà, ben oui, d'accord. Oui. Une heure avec un peu de substance, avec fort peu de substance, dirais-je. Ils invitent des personnes qui semblent très enthousiastes à l'idée de rendre tout ça passionnant et révélateur. Mais une fois que tout est terminé, tout ce que vous avez appris, ce sont des informations sur les portes des étoiles et les entités reptiliennes qui ont été représentées ici et là. Bien sûr, ils ne révèlent aucune solution à quoi que ce soit et ils font très attention à ne pas parler de nano-travel, de nano-voyage ou de la nanoseconde, et de la façon dont les extraterrestres se métamorphosent, les shape-shifting. Quand ils parlent des Anunnaki, ils font la promotion de la version de Sitchin. En d'autres termes, tout ce que j'ai vu, c'est l'AIF, c'est l'ordre du jour de l'AIF. Rien de nouveau là-bas, en d'autres termes, à ce niveau-ci. L'AIF, donc, la force d'invasion alien, Alien Invasion Forces, qui est derrière tout ça, donc qui est un conglomérat de gangs d'aliens différents qui s'intéressent tous au même bétail, nous, ou la planète. Ils s'unissent comme ça, ils sont tous camouflés, ils se protègent les uns les autres au niveau de notre conception de leur existence. Par contre, à la fin, ils n'ont pas le même but. Mais le but général, c'est de se servir. Mais leur manière et la finalité des choses, là, ils peuvent avoir des désagréments entre eux et peut-être, comme les mantis, soi-disant, finalement, s'éloigner du courant commun et plutôt se ranger de notre côté. Il paraît que les mantis ont du goût à une évolution améliorée grâce à ce que nous, l'être humain, possédons comme capacité qu'ils n'ont pas vraiment, paraît-il. L'AIF, qui est derrière tout cela, ne dévoilera jamais quoi que ce soit qui puisse compromettre son agenda. C'est évident. Pourquoi ferait-il cela et pourquoi les gens pensent-ils qu'ils le feraient? Les AIF ne sont pas stupides. Mais ce qu'ils veulent, c'est révéler une version de la vérité en laquelle ils veulent que nous croyions, afin que nous soyons prêts et que nous ne paniquions pas au moment opportun, que ce soit pour leur spectacle du Second Coming, c'est Jésus-Christ le retour, je crois, ou le faux atterrissage en masse d'une race stellaire bienveillante ou malveillante, donc ça va être Bluebeam. Tout ceci est une émission visant à atteindre un objectif planifié depuis longtemps, une chose dont nous avons parlé plus tôt. En encart, je rajoute que pendant Bluebeam, il peut y avoir un vrai débarquement, et que si une faction amicale envers l'humanité d'aliens maîtrise réellement la situation en gardant un équilibre entre le bien et le mal, si on peut dire, sinon on est charapaté en une seconde là. Elle va pas autoriser le Bluebeam sans elle-même intervenir de façon à zigouiller les méchants, hein. Parce que s'ils arrivent à faire mettre la Terre en quarantaine au-dessus de la quarantaine des méchants, ils ont des moyens supérieurs, hein. Ils sont peut-être plus nombreux, et puis après c'est peut-être la fin du jeu là quand même aussi pour les méchants. Il faut que le cycle des Yuga recommence avec un âge d'or. Donc, il faut bien y arriver à l'âge d'or à un moment donné. Et l'âge d'or, c'est un excès de lumière par rapport à un excès d'obscurité dans lequel nous sommes aujourd'hui, quelque part. Un peu. Bon, on va reprendre. Hein. Si vous me laissez parler aussi, évidemment. Bon. Si la seconde venue est la prochaine à l'ordre du jour, le commandement Ashtar sera le groupe qu'ils utiliseront pour présenter leur espace Jésus. Au niveau 3 des VPP, nous avons discuté en détail de qui serait cet espace Jésus. Ben, ce serait de la part de Lucifer lui-même. Hein. Jésus, Lucifer, même combat. Surprise, surprise. D'où Dacturus, le Ran Enlil et la Queen Nin sont responsables de la Grande Ourse et de l'Empire d'Orion. Alors, pourquoi le commandement Ashtar prétend-il être Dacturus? Dark
Arcturus. Il prétend cela parce que dans le futur, si quelque chose se passait mal et que l'humanité découvre qu'Arcturus est une partie importante de l'Empire d'Orion, les méfaits du commandant Ashtar seront peut-être imputés à l'Empire d'Orion, à Ranelil et à la reine Nin. En réalité, le commandement Ashtar n'a pas de lien avec Arcturus, mais avec la petite ours, Ursa Minor, sur laquelle Lord Marduk, le seigneur Marduk, est aux commandes. Ceci, cependant, a été un secret bien gardé. Le spectacle est en fait sur la route, comme nous en avons déjà discuté. Ea, Enki donc, est ici, résidant sous le fond océanique. Marduk est également présent. Son siège social est probablement situé à Pine Gate, en Australie, qui est, selon certains, le lieu le plus protégé de la planète. La véritable base est située sous terre. Alors, Pine Gate, en Ankara, je vais vous dire que c'est, paraît-il, l'endroit où vont se reposer les Iti qui ont eu des contacts avec l'humanité. Parce qu'on est hyper stressant. Moi, bon, je fais pas lever machin, je fais victoire ou lever dur dur. Bon, paragraphe 5, chapitre 5. Oncle Lu veut que vous évoluiez pour son armée cosmique. Parfois, il est drôle de voir à quel point les choses sont évidentes une fois que nous avons vu, à travers le voile du mensonge et de la supercherie. Il n'y a pas si longtemps, je pensais que nous, qui voulons évoluer vers une conscience, une supraconscience supérieure, devrions faire attention à ce que les forces des ténèbres ne viennent pas nous tuer. Il fut un temps où tout le monde parlait de la prudence avec laquelle nous devions faire preuve, tout en ayant le courage de révéler ce que nous avions découvert. Si nous mourions dans le progrès malgré cela, ainsi soit-il. Cela n'est bien sûr pas vrai. Si les forces des ténèbres nous voulaient morts, nous ne serions pas ici. L'oncle Lu et son FIA, la IF, sont très heureux de nous voir évoluer, car cela fait partie du plan. C'est pénible. On va s'en sortir. Si vous étiez IA et que vous vouliez savoir qui évoluait et qui n'évoluait pas, que feriez-vous dans les circonstances actuelles ? Eh bien, pourquoi ne pas consulter Internet et voir qui crée des sites web sur des sujets évolués et qui suit et navigue sur ces sites ? Ce serait certainement une façon de le faire. L'élite a bien sûr mis au point Internet pour suivre les gens et voir ce qu'ils font. Edward Snowden, le dénonciateur de la NASA, le whistleblower, vient de révéler que la NSA, surveille des milliards de téléphones portables et peut retracer une histoire sur 5 ans, du moins, sur plus, au moins, toute personne possédant un téléphone portable. En outre, ils peuvent voir qui regarde la pornographie en ligne, au cas où ils auraient besoin de l'utiliser contre ces personnes dans le futur. Oui, parce que dans les pays très chrétiens, c'est mal vu, c'est interdit, il ne faut pas. Par contre, je soutiens cette partie-là parce que la déperdition d'énergie sexuelle est une des raisons pour laquelle l'humanité en est encore à ce niveau-là aussi. Tout est branché sur le cul. Vendu par le cul, à destination du cul. Enfin, beaucoup, quoi. Beaucoup des activités de notre monde sont stimulées par l'objectif sexuel au lieu de quoi ? Ben, c'est-à-dire que l'énergie sexuelle, quand elle n'est pas utilisée au niveau des chakras d'en bas, peut-être utilisée pour des travaux spirituels en la faisant se promener ailleurs, dans d'autres domaines. Et une fois qu'on bosse bien dans un domaine, autre par exemple, et même au sexuel aussi, mais c'est rarement ce qui se fait, on peut acquérir un certain petit bénéfice de cette activité dans ce domaine particulier avec cet accès d'énergie-là et de concentration et de respiration, tout ça conjugué et maîtrisé et harmonisé. Et ce petit quota de bénéfices-là va être mis de côté et va permettre de construire les bases énergétiques d'un autre corps spirituel. Arrêtez.
Donc, changer de main. Il n'y a aucune raison de paniquer parce que cela ne devrait pas être une surprise. Ne pensez-vous pas que vous êtes le seul qu'ils ne suivent pas? Nous sommes toujours leurs esclaves et ils veulent savoir ce que nous faisons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Certains lecteurs peuvent ressentir ce besoin urgent de cesser de consulter des sites web tels que le mien lorsqu'ils lisent ce que je viens d'écrire, mais cela n'est pas très utile. Ce n'est pas que le FBI ou la NSA vont venir frapper à nos portes. Ils n'ont pas besoin de le faire et ils ne le souhaitent pas non plus. Ce que l'AIF fait, c'est de classer les gens dans différentes catégories. Petit encart. Pour l'instant, ils n'ont pas le personnel en plus, mais bientôt avec un drone, vous allez voir. Ou hop, avec les maisons, les smart cities, là, hop, vous avez le Wi-Fi local qui va commencer à chauffer, et puis hop, les circuits qui fondent. Hein. Ou bien tous les voisins d'à côté qui vont tourner la tête comme ça et soumis à un gang stalking, vous soumettre à un gang stalking rapide et efficace, donc ils ne se rappelleront pas 5 minutes après. À moins que vous soyez tellement bien défendu qu'ils soient pleins de bleus, et puis que ce soit eux qui se réveillent de par terre. Si vous êtes encore vivant. Ben bon, restons gais, légers, positifs. Donc, ce que l'AIF fait, c'est de classer les gens dans différentes catégories. Elle est évoluée, il regarde des feuilletons et boit de la bière, elle ne veut rien avoir à faire avec des sujets spirituels, celui-ci est matérialiste jusqu'au fond, voilà, celui-là est conspi, celui-là est un mouton, celui-là est de notre côté, celui-là nous doit 20 balles. Celui-là, on le tient bien, celui-là, c'est un danger. Oups. Là, il y a l'émission d'une fréquence particulière d'éveil. Hop, là, il y a une explosion sexuelle. Hop, allez récupérer du louche. Voilà. Ils ont un petit peu comme ça la possibilité, à mon avis, hein, comme sur un radar 3D, enfin une carte 3D suite à tous les radars qu'ils ont, de voir en couleur, en relief, en forme, toutes les activités énergétiques qui se déroulent. Et puis peut-être même qu'ils ont le moyen de voir ça sur demain. Vous voyez à l'avance, de se dire, mais quel va être notre prochain problème et comment le maîtriser avec donc du remédio à leur niveau. Oui, c'est compliqué hein, comme affaire, hein, il faut s'y mettre. Alors donc, où en étais-je? Ils veulent regrouper les gens et tenir des statistiques afin qu'ils sachent qui est le plus susceptible d'entrer dans la catégorie des villes intelligentes, donc les smart cities, et qui en est un exclu. En général, ce n'est pas comme si une catégorie avait plus de valeur que l'autre. L'AIF peut utiliser la plupart d'entre nous, bien qu'il y ait probablement des gens qui n'hésitent pas à sacrifier pour maintenir la population à un niveau tolérable, maîtrisable donc, tolérable. Raison pour laquelle, comment s'appelle-t-elle? Valérie Simon? Non. Ben, nos whistleblowers disparaissent rapidement, en général, suicide ou bien maladie rapide en 6 mois, qui peuvent très bien être déclenchés avec la psychotronique, hein, les maladies en question. Il n'y a pas besoin de se faire injecter un virus infecté du cancer ou autre chose, ce qu'ils peuvent aussi faire. Mais en fait, ils peuvent créer le cancer avec une certaine fréquence. C'est l'effet inverse de la machine rifle qu'on a vu un petit peu au-dessus, je crois. C'est-à-dire que c'est. Ben, voilà quoi, le son est créateur. Le son est créateur. C'est clair. Il y a des choses vraies dans tous les textes qu'on nous balance quand même. Donc je reprends. Alors pourquoi veut-il que nous évoluions? J'en ai déjà parlé, mais allons un peu plus loin. En fait, il existe au moins 2 catégories principales de personnes évoluées. Celles qui sont dans le nouvel âge et les maîtres ascensionnés. Et celles qui se rendent compte que les réponses sont à l'intérieur et que nous n'avons pas besoin ni de sauveurs, ni de gourous. Ou en tout cas des gourous ouverts, hein, qui guident mais laissent ouverts, et se mettent en arrière-plan, en second plan, en troisième plan, disparaissent. L'AIF préfère la première catégorie. Ils peuvent être très utiles en tant que super porteurs parce qu'ils sont psychiques. Ta ta ta. Psychique, ça, alors en anglais, le côté psychique, ça veut dire mentaliste, mais lecture de pensée, télépathie, même télékinésie, empathie améliorée, vision à distance, sensation à distance, audition à distance,
Enfin, voilà, tout ce à quoi on peut accéder normalement, hein, il suffit de se nettoyer un peu le corps quelque part, et puis de rentrer en conscience avec notre conscience. Un peu, puis alors, s'intéresser à ce que disent certains gourous quand même. Hein. C'est pour ça que bon, je faisais ce petit encart à propos tout à l'heure. Faut quand même des méthodes un petit peu. Et pas à suivre à la lettre. Je dis ça parce qu'un jour, on m'a demandé plein, plein de conseils. Et moi, je disais, ben, moi, je ne veux pas en dire de trop parce qu'après, on laisse des empreintes qui ne sont pas forcément les mieux adaptées au cas de la personne en question. Enfin, c'est ce qu'il me semble. Et à mon niveau maintenant, aujourd'hui, hein, peut-être qu'auparavant, j'étais un peu différent. Et j'espère que non. Et voilà, je donnais des préceptes, notamment celui de tester doucement. Et puis d'attendre, de regarder les effets, de noter, de comparer, puis voilà, d'évoluer à son niveau propre, à sa vitesse. Et avec son propre feeling, parce qu'on a des intuitions. Moi, énormément de ces petits trucs-là, je les faisais tout petit. Je ne savais même pas encore lire. Bon, on reprend. Alors, donc, les super porteurs, parce qu'ils sont psychiques, la deuxième catégorie l'est également. Mais la deuxième catégorie est plus difficile à contrôler. Oui, je dis que tout le monde peut être psychique. Tout le monde n'est pas Mozart, mais tout le monde peut jouer au piano. Ce sont probablement ceux, jouer avec un piano, ce sont probablement aussi ceux qui ont l'habitude d'entrer dans la KHA par la porte dérobée. Je le mentionne encore parce qu'il y a une chose que nous n'avons pas encore évoquée, c'est la différence ou peut-être l'interrelation entre le monde physique et le monde des esprits. Il y a des informations dont nous n'avons pas discuté, dont nous discuterons dans ce document et dans le prochain, le dernier. Oui, les interactions, par exemple, entre le monde physique et le monde des esprits. Eh ben, dans le jardin de quelqu'un qui fait de la biogéoénergie. Avec tout le monde de la nature, vous avez assez rapidement des preuves d'une interaction, quand il y en a. Je parle pas des voisins, hein, les fils du voisin qui piquent les cerises. Non, justement, au contraire, je vois un cerisier spécialement chargé de cerises spécialement belles et spécialement goûteuses, par exemple. Suite à une petite interaction. On reprend. Ah ouais, je reprends un petit coup. Une autre chose que j'ai remarqué chez beaucoup de gens, c'est que beaucoup de gens ont des difficultés avec les 4% d'univers et les 96% de KHA. Ce qui est compréhensible car il s'agit d'un concept entièrement nouveau qui a besoin de temps pour s'implanter et devenir une partie intégrante de nos voies neuropathiques. Ben, souhaitons qu'elles soient bonnes alors, hein. Parce que, évidemment, que l'effet du centième singe marche aussi pour des choses qui sont fausses, j'ai l'impression. Je crains fort. Les gens qui ont lu mes papiers parlent encore de voyager sur d'autres planètes dans l'espoir d'y trouver la vie. En d'autres termes, ils pensent que nous pouvons construire des vaisseaux spatiaux qui nous emmèneront vers des systèmes solaires situés à de nombreuses années-lumière, peut-être en passant par l'hyperespace, via les ponts d'Einstein-Rosen, la théorie de l'espace replié. Et en arrivant dans une autre partie de la planète, de la galaxie ou de l'univers. C'est une théorie que j'ai soutenue au niveau 1 dans le cadre de l'hypothèse du mode de travail du GPL-C. Et c'est ce que de nombreux physiciens soutiennent également aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon. Bon, on va laisser tomber les liaisons. Cela fonctionnerait même avec leur modèle standard. Hypothétiquement, cela pourrait fonctionner. Alors, supposons que nous arrivions dans un système solaire distant de 3000 années-lumière. Le Soleil étranger est semblable au nôtre et même les planètes du système solaire sont dispersées de la même manière que dans notre système solaire, quasiment comme le système Trappiste. Par conséquent, nous atterrissons sur une planète située à une distance idéale du Soleil, donc dans la zone, paraît-il, où une planète peut vivre par rapport au Soleil. Il ne faut pas ni trop chaud, ni trop froid, ni trop radioactif, ni pas assez, enfin tout ça. C'est l'hypothèse de la NASA. Pour qu'il y ait la vie en 3D humanoïde, a priori, il faut une zone comme ça, quoi, en tout cas. Ça, on peut le dire. Et nous espérons y trouver la vie, car les chances de le faire y seraient très élevées, d'autant plus que cette planète est presque une copie de la Terre.
Cependant, notre déception sera grande quand nous remarquerons que tout ce que nous trouvons est un rocher stérile dans l'espace. Il n'y a pas de vie, même pas la plus petite plante. En tout cas, nous n'abandonnons pas, alors que nous allons de l'avant, nous visitons beaucoup de systèmes solaires avec des planètes qui pourraient contenir de la vie, mais il n'y a pas de vie nulle part. On a l'impression d'être seul dans l'univers. En fait, ce scénario ci-dessus risque fort de se produire si nous ne connaissons pas les 96% et les nano-travels, les nano-voyages. Tant que nous sommes dans des corps humains, dont la majeure partie de leur ADN est déconnectée, nous ne percevons que 4% de l'univers. Bon, peut-être même moins que ça. Au niveau visuel, là, la bande de fréquence perceptible électromagnétique est vraiment un tout petit bout de la bande qu'on arrive même à analyser avec des appareils et qui n'est même pas la bande complète, hein, parce que par exemple, le scalaire, je n'ai pas l'impression que ça rentre dans ces bandes-là. C'est aussi la raison pour laquelle nous ne trouvons pas la vie ou nous attendons à la trouver. La troisième dimension, telle que nous la percevons, est le royaume de Lucifer. Depuis qu'il nous a enfermés dans cette bande de fréquence en nous déconnectant notre ADN, nous sommes restés assez seuls dans l'univers, vu de notre point de vue. La seule raison pour laquelle il y aurait de la vie sur une autre planète, quelque part ailleurs, si Lucifer ou quelqu'un d'autre créait une expérience similaire ailleurs, dans la même bande de fréquence verrouillée. J'ai oublié un verbe, mais vous avez compris. Sinon, si nous ne pouvons pas percevoir ce qui se passe dans l'univers, ben oui. Point. Cependant, l'univers regorge de vie, mais nous ne pouvons pas le voir. Mais il y en a déjà autour de nous des formes d'existence qu'on ne peut pas voir. Dans leur dimension, ce sont des formes de vie aussi. Pour nous, pas, mais ben pour la science, pas, mais il y a de la conscience. La conscience, c'est la vie, quoi, en fait. La vie, c'est la conscience. Voilà. On va pas commencer une philo tout de suite, mais on pourrait. Nous pouvons atterrir sur une planète qui contient beaucoup de vie, mais nous ne la remarquons pas. Ben, on y est déjà, quoi, en fait, oui. La vie n'arrive pas d'elle-même dans la troisième dimension. Elle doit être créée à partir d'une source extérieure, plus subtile en général. Par conséquent, la vie sur les planètes n'existe que dans les systèmes solaires où les êtres stellaires ont décidé d'utiliser une ou plusieurs planètes pour y créer de la vie pour une raison quelconque. Plusieurs fois, les planètes des systèmes solaires restent stériles. Au lieu de cela, les êtres stellaires vivent dans les étoiles, les soleils du KHA, les 96% de l'univers restant. Donc, c'est la matière et l'énergie noire, hein, pour la science. Ou dans l'espace, également le KHA, où ils créent ce qu'ils souhaitent créer. Les choix se limitent à l'imagination d'un être. Ces choses sont très importantes à comprendre, où le lecteur passe à côté du problème des voyages dans le temps et des êtres sur d'autres mondes. Bien sûr, c'est ici que le nano-voyage entre en jeu. Une fois que nous aurons branché notre ADN indésirable, le junk, qu'on aura rallumé, hein, parce qu'il n'y a rien d'inutile dans la nature, donc disons qu'on ne se sert pas tout le temps des 100% de l'ADN, à mon avis. Et puis, il y en a aussi de l'ADN qui n'est pas connecté, en plus. Donc, lui, il parle du non-connecté. Là. Puis moi, je rajoutais le fait qu'on ne se servait pas à 100% de notre cerveau. Pas tout le temps. Mais tout le cerveau va servir. Hein, mais pas à 100%. Parce qu'il pourrait bosser à 100% tout le temps. On pourrait tout le temps, quoi qu'on fasse, avoir des activités. Je suis là et en même temps, je sens que j'ai froid. Je ne sais pas, par exemple, hein, il y a des odeurs. Ça doit être un chat. Je crois que j'ai un peu dérivé là, sur mon sujet. Dans mon encart, à partir du sien. Donc, une fois que nous aurons branché notre ADN indésirable, donc junk, nous pourrons percevoir tout le spectre des dimensions et des densités et nous connecterons pour la première fois à l'univers réel, à la réalité. L'univers que nous percevons maintenant est plutôt stérile et épuisé de la vie telle que nous la connaissons. Tant que les astronomes chercheront la vie comme ils le font actuellement, ils ne trouveront rien. Je ne suis pas complètement d'accord. Mais il y a des astronomes qui ont vu des soucoupes volantes.
avec leurs observations là. Ah, ils en parlent entre eux. Hein, quand il y avait eu un reportage sur l'observatoire Lucifer, là, ce télescope qui passe dans l'infrarouge, qui permettait de s'intéresser aux naines brunes, telles que peut-être celles qui accompagnent une hypothétique Nibiru. Qui sait? Façon, si elle arrive, on ne va pas tarder à le savoir. Puis tant qu'on attend, on n'est plus à 2 jours près. Et puis, on n'est toujours pas prêt physiquement. Donc, de toute façon, il faut se préparer psychiquement, mentalement, spirituellement. N'oublions pas, la vie est une plus ou moins une longue maladie dont on sort rarement vivant. Oh, c'est bon pour le moral. Oh, c'est bon, mais au second degré. Hein. Bon. Dans les articles précédents, nous avons mentionné d'autres espèces vivant sur des planètes. Certaines vivent dans le système d'étoiles Sirius, d'autres à Rigel, et ainsi de suite. Oui, alors il paraît que la race humanoïde, on va dire, est originaire de la Lyre. Mais donc il y en a plein qui s'est dispersé dans tout l'espace, donc il y en a plein des humanoïdes. Mais là, il ne parle pas que des humanoïdes. Cependant, même si nous pouvions voyager avec nos corps limités, nous les trouverions stériles, sans vie, bien que des civilisations entières y vivent. Encore une fois, la raison pour laquelle nous ne pouvons ni les voir ni les percevoir est qu'ils existent en dehors de notre minuscule groupe de spectre électromagnétique. Enfin, oui, vous voyez la frange visible du spectre électromagnétique entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Ainsi, tant que nous sommes pris piégés dans ces corps humains manipulés, nous sommes plus ou moins seuls dans l'univers. Donc lui, il ne fait pas de bioénergie, hein, il n'est pas en contact avec les êtres de la nature. Une autre option consiste à échapper au piège une fois que nos corps actuels sont morts et que nous pouvons passer par un trou dans la grille. Vous, le feu de l'âme et l'avatar, vous pouvez alors sortir et explorer le véritable univers qui regorge soudain de vie. Cependant, maintenant, après avoir rafraîchi nos mémoires, nous pouvons continuer à parler plus en détail du monde physique et du monde des esprits. Paragraphe suivant, chapitre suivant, le 6. Esprit et matière, quelle est la différence? Qu'est-ce que la force d'invasion extraterrestre veut vraiment des humains? Pardon. Beaucoup pensent que les extraterrestres négatifs sont après nos âmes. Mais si les êtres de l'AIF sont constitués de feu et ont donc une âme, pourquoi voudraient-ils la nôtre alors qu'ils en ont déjà une? On pourrait dire qu'ils pourraient vouloir que nos âmes nous dominent, mais n'est-ce pas ce qu'ils font déjà et ce qu'ils ont fait ici sur Terre depuis si longtemps maintenant? Dans les journaux, jusqu'à présent, nous avons discuté en détail de ce qui suit. Petit A, l'AIF, les FIA, veulent notre feu, et en particulier le feu féminin, pour envahir Orion. Petit B, ils veulent que les corps de certaines lignées sanguines restent purs afin qu'ils, les AIF, puissent les habiter. C, petit c, ils veulent des super soldats pour leur armée cosmique galactique. Petit d, ils veulent que nos âmes évoluent, et petit e, ils veulent des esclaves pour stimuler les entreprises et faire leur travail en général, ici, sur Terre, entre autres. Je rajoutais entre autres. Des fois, c'est sous terre déjà, et puis c'est pas forcément toujours autour de la planète. Peut-être. Pourtant, il y a quelque chose de plus de tout cela, quelque chose de plus important qu'ils veulent aussi. C'est ce que nous n'avons pas encore abordé, mais le temps de le faire est arrivé. Je l'ai gardé pour la fin parce que pour nous, il est très important de comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Par conséquent, veuillez le lire attentivement et assurez-vous de bien le comprendre. Si nécessaire, revenez en arrière et examinez-le une deuxième fois et une troisième fois. Peu m'importe le nombre de fois que vous le lisez tant que vous le comprenez vraiment. Je vais y consacrer un peu de temps et aller droit au but, comme vous le constaterez. J'ai décidé de le faire de cette façon, mais ça en vaut la peine. Alors on y va.
Sino dominé était le jeu final pour l'AIF. Alors pourquoi semblerait-il que l'élite mondiale change les choses, qu'elle planifie quelque chose de nouveau ou qu'elle attend quelque chose? C'est fou comme quand on fait attention à ce qu'on dit ou qu'on articule particulièrement ou qu'on s'écoute trop parler, on bégaye, on bafouille. Ça me rappelle quand je faisais du théâtre. On reprend? Ben oui, allez. Mais j'ai le trac. De plus, ce que nous venons de dire, c'est que l'élite mondiale ne nous empêche pas d'évoluer non plus. Oh, finalement, j'ai plus le trac. Alors maintenant, ils changent d'énergie. Ah, mais alors, bilatéral. D'accord, bilatéral. Et pas d'adulation, hein. Fanatisme ou quoi que ce soit. Non, non. Chacun son tour, on passe sur la scène. De plus, ce que nous voulons de dire, c'est que l'élite mondiale ne nous empêche pas d'évoluer non plus. Bon, faut voir là. Hein. Oh, quand on baisse le QI des gens, il faut arrêter là. Quand on les empoisonne, quand on leur donne jamais la vraie vérité pure et fraîche et protégée, quand on les protège pas, non, il faut pas déconner là. Et si elle nous empêche d'évoluer. D'ailleurs, elle nous donne que de la daube en général. Ça, c'est vraiment. Ben, voilà. J'empoisonne mon terrain et je veux avoir des légumes. Non, ben non. Il y aura des légumes, mais il faut voir la gueule des légumes, il faut voir leur qualité. Je ne suis pas d'accord. Enfin bon, c'est pas mon texte. Ils veulent que nos âmes évoluent, mais de la manière habituelle, ils ont besoin de nous garder confus, ne sachant pas exactement ce qu'ils veulent. Même si Chin a écrit qu'Enki et ses scientifiques avaient bien pris soin de créer une espèce qui évoluerait par la suite. Oui, c'est ce pourquoi on lui en a voulu d'ailleurs, il semblerait. Ses collègues lui ont voulu, en ont voulu et ont déclenché les déluges. Pas uniquement parce qu'effectivement on parlait, on faisait du bruit sur certaines fréquences, etc. etc. mais aussi parce qu'on allait évoluer, qu'on allait mettre en danger leur prédominance. Et cet état d'esprit-là, ben, il dure encore et c'est notre élite qui l'a. Ils se cooptent entre eux, vous n'arrivez quasiment jamais, quand il y a un petit groupe de créer dans une école, vous n'arrivez jamais à vraiment avoir tous vos diplômes de la même manière que vous les auriez si c'était une éducation égalitaire, la même pour tout le monde, pas de favoritisme, j'entends. Et puis bon, n'oublions pas qu'ils nous apprennent que les conneries, essentiellement. Je reprends. De plus, pourquoi l'AIF a-t-il voulu conserver le modèle des humains d'origine et ajouter ses propres gènes en ne le faisant que modérément? Ils auraient pu utiliser des humains déjà existants et ajouter leurs propres gènes de plus en plus nombre, en plus grand nombre que. Mais il était important pour eux de garder les humains primordiaux aussi intacts que possible. Il était plus important de rendre le modèle existant plus robuste et habitué aux travaux forcés pour lesquels les humains primordiaux n'étaient pas conçus, plutôt que d'ajouter trop de leur propre ADN étranger, alien, ce qui les aurait automatiquement rendus plus forts. Nous. En outre, ils nous ont déconnectés du multivers et ils nous ont enfermés dans une fréquence qu'ils savaient temporaire avec le temps. L'humanité évoluerait quand même et ils l'ont bien accueillie. En ce sens, Xi Jin avait raison, bien qu'il nous ait appris que c'était une décision bienveillante d'Enki de nous permettre de grandir. Pas tant comme nous allons le voir. Nous avons déjà parlé d'Enki et son équipe veut que nous évoluions pour des raisons telles que l'utilisation de nous comme source de nourriture plus délicieuse, mieux que le louche. Enfin, le louche non seulement, mais plus, quoi. Mais il souhaite également utiliser notre feu dans l'espace conquérant, y compris dans Orion, pour la conquête d'Orion. Cependant, est-ce tout? Existe-t-il une raison plus profonde encore pour laquelle l'équipe AIF souhaite que nous évoluions? En écoutant les conférences, j'ai appris que les Pléiadiens n'étaient pas physiques, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de corps. Au début, ils étaient réticents à l'admettre, mais dernièrement, ils ont cédé. Et maintenant, cela ne les dérange pas de dire qu'ils sont des êtres non physiques. Ce ne sont pas seulement des êtres qui quittent leur corps pour transmettre leur message à l'humanité, mais aussi, ils sont vraiment non physiques. La seule chose qu'ils peuvent faire est de créer des choses Q-way, à la manière de Q
En référence à Star Trek. J'ai pas vu tellement les Star Trek, en fait, moi. Mais ils n'ont pas accès à une planète comme nous le faisons. Ils ont dit tout de suite que nous devrions être heureux de vivre dans un corps sur cette planète, car la plupart des non-physiques sont jaloux de nous. Bien que le fait de ne pas être physique puisse être excitant pendant un certain temps, le fait de savoir que nous avons accès à la troisième dimension, nous les humains, les incite à vouloir faire l'expérience de ce que nous faisons, comme nous, de ce que nous éprouvons surtout. Ils envient nos aptitudes à avoir des relations sexuelles, à sentir et à goûter, à manger de bons repas et à vivre une expérience physique en général. Alors, oui. Il paraît qu'il y en a qui aiment le chocolat particulièrement, ou le café. Et comment pouvez-vous exprimer le goût du chocolat ou l'arôme du café à quelqu'un qui n'en a jamais goûté? Et sans lui en faire goûter, ni sniffer. Le docteur A.R. Borden, qui était en contact avec le FIA, a souvent mentionné qu'il était perplexe sur ce qui rendait l'homme royal. Maintenant, après ce fait, je sais qu'il connaissait la réponse à cette question, mais prétendait ne pas l'avoir. Alex Collier, affirmant avoir eu des contacts avec les Andromédiens, a également déclaré à plusieurs reprises que les êtres humains sont considérés comme des royaux par d'autres êtres vedettes, pas vedettes, stellaires, d'autres êtres des étoiles. Bien que nous ayons le feu de la déesse, je me suis demandé pendant longtemps ce que c'était vraiment qui nous rendait royal. Est-ce vraiment le fait que nous avions ce feu de la déesse? Est-ce que les autres êtres des étoiles n'ont pas ça aussi quand on y pense vraiment? Après tout, en ce qui concerne l'âme, nous sommes tous créés par la déesse mère dans sa forme divine dans son ensemble, où elle existe en tout, comme dans le terme tout ce qui est. All there is. Par conséquent, nous avons le feu de l'âme en commun avec tous et peut-être. Peut-être. Par conséquent, nous avons le feu de l'âme en commun avec tous les autres êtres stellaires qui ont une âme et ne sont pas une intelligence artificielle. Bon, oui. Okay. En ce sens, nous sommes tous royaux. Mais qu'est-ce qui fait que l'humanité se démarque? Les êtres humains font partie de l'expérience très spéciale de la déesse qui inclut les âmes humaines. Et dans ce sens, nous pouvons être considérés comme des souverains. Quelque chose dont nous avons discuté auparavant, mais il semble qu'il manque quelque chose ici. Il doit y avoir quelque chose de plus. Par conséquent, continuons à réfléchir à cela pendant un moment. Qu'est-ce que nous avons que d'autres êtres stellaires n'ont pas? Ah, moi, j'ai une idée là. Qu'est-ce qu'on a? Ils peuvent pas faire. Plus compliqué. Hein? Par exemple. Ben, va t'amuser à fumer dans un vaisseau spatial avec une atmosphère contrôlée en oxygène. Le plaisir de tousser, hein? Ah, non, mais quand même. Est-ce que cela a à voir avec le monde physique ou spirituel? Vous répondriez probablement au monde spirituel, mais est-ce si évident? Jetons un œil. Un coup d'œil à l'esprit pendant un moment. Quel est le mental? Qu'est-ce que le mental? Le mental est-il physique ou spirituel? Si nous écoutons des scientifiques humains, l'esprit est l'équivalent du cerveau. Ouais, mais là, ils sont quand même en train de changer, là. Et si cela est vrai, l'esprit est définitivement physique et l'esprit meurt quand le corps meurt. Bien entendu, l'esprit est ce que nous considérons être l'individu ou la personnalité. Encore, là, non, là, il y a un plan. C'est-à-dire qu'ils nous disent ça, mais eux ne sont pas d'accord avec ça, puisque leur but est justement d'aller au-delà. Donc, et de l'accaparer sur, hein, aller dans notre au-delà par le biais de la machine, amener la machine, l'intelligence artificielle, par notre biais transhumanisé, vers nos au-delà de conscience.
qui est une grande partie de l'AKHA, enfin bon, qui a accès à l'AKHA normalement. Et donc permettrait à ceux qui sont bloqués ici, dans les 4%, d'envahir le reste, si j'ai bien compris. Dans les domaines de la physique, de la psychologie, de la psychiatrie et des sciences analogues, le cerveau est l'unité de réflexion. Ils en sont arrivés à cette conclusion car, lorsqu'ils étudient le cerveau, les scientifiques peuvent voir comment des impulsions électromagnétiques activent différentes parties du cerveau selon que nous pensions à des pensées abstraites ou concrètes. Le cerveau envoie également des impulsions au reste du corps pour accomplir certaines tâches, telles que lever un bras, marcher, parler, siffler, fumer. De plus, le cerveau est responsable des fonctions automatiques telles que la respiration et les battements du cœur. Ben, le cœur a son propre système nerveux, hein? Il peut même battre tout seul dans un liquide de Ringer, de Ringer, me semble-t-il. En tout cas, celui d'une souris. Non, d'une grenouille. Une souris, une grenouille, une grenouille. Si je me rappelle bien. Jusqu'ici, tout va bien, mais il reste une solution, il reste une question, pardon. D'où proviennent ces impulsions électromagnétiques? Sont-elles réellement originaires du cerveau ou proviennent-elles d'ailleurs en utilisant le cerveau pour contrôler le corps? Les scientifiques conservateurs nient la possibilité d'incidents tels que des expériences hors du corps, les OBE, car s'ils le font, toute leur théorie du cerveau est invalide. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, voilà, tous les traitements médicamenteux pour soigner le cerveau tombent à l'eau quelque part, hein. Juste ce que permettent les médicaments, je suppose, parce que ce n'est pas vraiment ma partie, c'est d'invalider les parties du cerveau qui permettent aux patients de délirer, enfin en psychiatrie en tout cas, ou qui permet aux patients certaines activités qui gênent la communauté, ou capacité parfois, hein. Bon. Si une personne peut avoir une OBE, le cerveau ne peut pas être l'unité de pensée. Mais ce qui quitte le corps est ce que nous appelons généralement l'âme. De nos jours, les OBE sont si courantes que les scientifiques doivent s'y attaquer. Ils disent donc que ce n'est que le cerveau qui joue des tours au corps quand nous sommes sur le point de mourir et que le manque d'oxygène au cerveau, c'est-à-dire que nous hallucinons. Voilà. Ils disent ça jusqu'au moment où on leur dit tout ce qui s'est passé pendant l'intervention où on est. À la suite de laquelle on est mort un moment, jusqu'au moment où il nous réveille. Et il y a même une dame qui s'est réveillée d'une intervention comme ça. Juste à la fin de l'intervention, elle a agrippé le bras de l'anesthésiste ou de l'infirmière. Elle lui a dit: les pompiers, appelez chez vous, je crois. Il y a le feu, appelez chez vous. Et elle appelle chez elle, et à ce moment-là, chez elle, il y avait son bébé qui était soumis à un incendie qui commençait à galoper et sans vraiment de possibilité de téléphoner le bébé. Enfin, il y avait un plan comme ça, quoi. Alors, ça a un petit peu attiré l'intérêt, en tout cas, de l'équipe du chirurgien, là. Hein? Ils ont dit: oula, mais comment elle sait ça, la dame? Et bien, elle lui a dit: ben, moi, j'ai décollé de mon corps et j'ai été appelé vers tel endroit, j'ai vu les appels au secours mentaux du bébé, enfin plein dans le genre. Hein. Je raconte l'histoire là, telle que je m'en rappelle et telle que je l'explique en même temps, quoi. Et puis voilà, je suis revenu. Ouais, pic-pac. Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a le gars qui dit: moi, je connais le numéro qui a écrit sous la table. Le numéro de série qui a écrit sous la table. J'ai dit: oui, ça, c'est sûr que oh, vous ne pouvez pas le connaître. Voilà, bon, il y a d'autres trucs. Enfin, c'est intéressant, ça a lancé aussi toute la réflexion sur la vie après la mort, quelque part. Et puis, tout de suite, s'est branché un certain courant qui a dit: oui, il y a le tunnel, il y a la lumière, il y a les gens qui nous disent: oh, bravo, tu es là, mais regarde, tu as du travail sur Terre, va t'incarner, va sauver la planète. Il y a aussi tout ça qui s'est branché dessus à ce moment-là. Et ben, je pense que c'était un moyen pour l'AIF de reprendre la main sur le scénario qu'ils veulent qu'on croie et qu'on découvre petit à petit au milieu de la réalité de ce qui est et qui nous permet à chaque fois de nous libérer un peu plus de leurs entreprises et de leur emprise.
J'espère. Je reprends. Je dis que les impulsions électromagnétiques que l'on peut mesurer dans le cerveau sont bien ces petits feux dont je parle depuis le niveau 2, les feux qui envoient de la bioélectricité. Et cette bioélectricité qu'ils envoient à l'esprit est ce qui prend soin de la pensée, pas les impulsions envoyées au cerveau. Les impulsions cérébrales sont ce qui prend en charge les fonctions du corps. Bien sûr, nous avons alors une pensée du cerveau gauche et une du cerveau droit. Ce qui semble contredire ce que je viens de dire, du moins dans une certaine mesure. En réalité, ce n'est pas le cas. Pour comprendre cela, nous devons savoir ce que l'esprit est vraiment et comment il fonctionne. Cependant, avant de discuter de tout ça, nous devons également reconnaître que chaque chakra a son propre cerveau. Nous disons alors qu'elle pense avec son corps, le chakra faisant ainsi usage du chakra du cœur, ou il pense avec ses couilles, son deuxième chakra, qui concerne la survie et la procréation. On ne dit pas ses couilles, on dit sa bite. On dit de quelqu'un qu'il est con, en français. En hollandais, je crois qu'on traite les gens de bites. Ça revient à peu près au même à l'idée. C'est donc des gens qui pensent plutôt avec leur bas chakra. Il y a égalité. Hein. Ça tombe bien d'ailleurs. Bon, on reprend. En métaphysique, nous disons que l'esprit survit à l'abord du corps. Cela signifie-t-il que l'esprit est l'identique de l'âme ? Est identique à l'âme, plutôt. De manière très vague, la métaphysique explique souvent que l'esprit est un avec l'âme, ce qui fait de l'âme notre personnalité. Ce n'est pas tout à fait vrai, tout ça. En métaphysique, cela a du sens, car nous apprenons aussi que nous prenons toujours la personnalité avec nous, que nous vivions morts. Cependant, la métaphysique, telle qu'elle est connue de l'homme, ne mentionne généralement pas le feu, qui, mes papiers sont explicites à ce propos, comme étant équivalent à ce que les gens entendent par âme, le feu, l'âme. Pas confondre l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est celui qui lit, là. Il y en a un bout qui pense en plus. Et puis, il y a celui qui ressent derrière, qu'on va plutôt expliquer comme l'âme, là, et qui garde ça en mémoire aussi, mais au niveau émotionnel, peut-être, je ne sais pas. Je reprends. Si nous allons un peu plus loin, j'ai également expliqué que notre personnalité peut, en réalité, être détruite, et qu'elle est détruite, à de très rares occasions, lors de guerres de l'espace. Cela se fait en détruisant notre avatar ou notre corps de lumière. Par conséquent, le mental est en réalité non physique, évidemment. La façon dont nous envisageons les choses sous notre perspective à trois dimensions. Le mental est l'avatar et l'esprit est créé par des millions de petits feux qui constituent le plus grand feu qui est l'âme. Ah, voilà, c'est pas mal ça. Avec une technologie très avancée, l'avatar peut ainsi être détruit et les millions d'incendies, la bioélectricité, seront répartis dans l'espace, perdant leur capacité à s'unir, perdant ainsi leur mobilité. Lorsque cela se produit dans une bataille et que des alliés sont présents pour l'observer, il existe également des armes qui peuvent inverser les dégâts et sauver l'esprit, redonnant à l'être entier, redonnant un être entier. Si cela ne se produit pas, l'âme ou l'avatar en particulier deviendra désormais un avec l'univers et perdra son individualité. C'est l'État qui est censé attendre les âmes très mauvaises qui refusent tout compromis, me semble-t-il. Ainsi, le feu et l'avatar sont apparemment quelque chose que nous ayons en commun. Compromis avec quoi ? Ou avec qui ? Je reprends. Ainsi, le feu et l'avatar sont apparemment quelque chose que nous avons en commun avec les autres êtres stellaires, physiques ou non physiques. Ainsi, si l'AIF veut quelque chose de la part de nous, humains, qu'ils n'en ont pas eux-mêmes, ce n'est apparemment pas l'esprit, parce qu'ils ont déjà un esprit. Maintenant, quand nous avons une compréhension métaphysique de ce qu'est l'esprit, nous pouvons aussi mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain.
Si l'esprit est égal au corps de lumière, le corps de lumière entoure le corps physique et conserve sa forme dans une réalité à trois dimensions. Par conséquent, lorsque nous activons un certain modèle de pensée, il se manifeste d'abord à un certain endroit du corps de la lumière, de corps de lumière, qui correspond à la place du corps physique. Par conséquent, lorsque nous pensons aux pensées scientifiques, le côté gauche du cerveau devient plus activé et éclairé sur l'IRM. Et dans le cas où nous pensons des pensées plus fluides, artistiques et multidimensionnelles, abstraites, nous activons le côté droit du cerveau. Ce qui se passe dans le corps de lumière, slash avatar, se produira également dans le corps physique. Ils communiquent et se répondent. Oui, c'est ainsi qu'on soigne aussi. Hein. Il y a un corps magnétique sur lequel a lieu les soins. Et par la suite, les guérisons se répercutent sur le corps physique. Considérant le physique, nous avons aussi des êtres qui se sont développés et ont évolué sur des planètes, tout comme ce n'est pas le cas. Tout comme des fois non, quoi. Même si ce n'est pas aussi courant que nous l'avions pensé. Cependant, d'un point de vue interdimensionnel, nous trouverons certainement des espèces qui se sont développées sur des planètes, comme indiqué au niveau 2, où j'ai dit que ces races pourraient à un moment donné choisir si elles veulent continuer à vivre sur leur planète ou si elles veulent quitter leur corps derrière, les laisser derrière eux, et devenir non physiques, et être ainsi capables de nano-travel, nano-voyager, et de créer dans le style du Q-Way, dans le style Q, pour les fans de Star Trek. C'est exactement ce qui nous distingue des autres êtres, qu'ils aient évolué sur des planètes ou des étoiles ou ailleurs. En fait, la partie royale de l'humanité est le corps physique, d'après West Penry. À ce niveau-ci, c'est West Penry Paper. Ma foi. Je ne vais pas le contredire tout de suite. Hein. C'est l'essentiel de l'expérience de la reine Queen Nin et du prince Ninurta. La déesse voulait créer un modèle qui ne fasse plus qu'un avec l'âme et l'esprit. Nous avons donc le complexe âme slash esprit slash corps. Sur d'autres planètes où les êtres évoluent, semblables à nous, ils en arrivent à un point où ils doivent choisir s'ils restent dans un corps et voyagent dans l'espace dans une combinaison spatiale créée pour résister à la dureté du voyage dans l'espace, en utilisant Einstein-Rosen pour faire le point, pour se rendre d'un point à un autre où laisse son corps derrière, ou laisser son corps derrière, et devenir une entité non physique nano-voyageuse. Ils doivent choisir l'un ou l'autre, ils ne peuvent pas l'avoir en même temps. La différence est que nous, les humains, pouvons avoir les deux. Nos modèles de corps originaux ont été construits de manière à ce que nous puissions profiter à la fois du monde physique et du monde spirituel. Nous pouvons rester sur Terre en utilisant notre feu et notre avatar pour effectuer un nano-travel, un nano-voyage, donc, puis revenir sur Terre et poursuivre nos activités ici. C'est bien sûr si nous ne sommes pas coincés sous la grille dans nos corps, dans des corps altérés. La grille The Grid, la matrix spatiale. L'expérience initiale a fonctionné comme prévu jusqu'à l'arrivée de la force d'invasion alien. Le choix des E.T. en ce qui concerne la matière dont ils veulent vivre dans leur réalité est tout. Tant qu'ils choisissent d'être liés à la planète avec des corps physiques, ils doivent emmener les corps avec eux lorsqu'ils voyagent dans l'espace. Cela ne veut pas dire que ces êtres doivent être enfermés dans une réalité dans la troisième dimension. Leurs corps sont peut-être beaucoup plus interdimensionnels que les nôtres. Mais les incendies, les feux et les avatars qui occupent ces corps sont collés à eux tant qu'ils décident de ne pas devenir non physiques. Ou ils peuvent ne pas être suffisamment évolués pour pouvoir faire le choix. Ici sur Terre, nous avons beaucoup de gens qui ont eu des rencontres avec les gris, comme nous en avons discuté plus tôt. Ces corps gris sont des combinaisons idéales et sont utilisés uniquement par les minions de Lucifer, qui vivent dans des réalités physiques. Ce que nous devons savoir, c'est que les gris sont uniques en leur genre, car ils sont issus de mondes qu'il a conquis ou de mondes où il a recruté les habitants pour le suivre.
Tous les êtres stationnaires vivant sur des planètes ont besoin d'une combinaison spatiale qui tolère les conditions difficiles de l'espace, qui protège les conditions difficiles de l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'ils doivent ressembler à ces gris que nous voyons. S'ils n'ont jamais rencontré Lucifer et son armée, ils auront un aspect différent, car ils n'ont aucun moyen de savoir à quoi ressemble le gris de Lucifer. Cependant, même s'ils n'ont jamais entendu parler de Lucifer, leurs combinaisons spatiales ressembleront probablement à celles des états réticuli, les gris états réticuli, car c'est le type de combinaison qui possède les meilleures qualités en matière de voyage de l'espace. Donc, tel qu'affiché à l'écran, a priori. Ben là, il a une combinaison spatiale, ben, c'est son corps, la combinaison spatiale, hein, ils entendent par là, hein, c'est le transporteur, il ne parle pas de son habit, qui était assez sympa comme fringue celui-là. Le chaman Zulu sud-africain Credo Mudva, que David Icke mentionne souvent dans son travail, a déclaré à Icke qu'il avait examiné des gris retrouvés morts dans la brousse africaine. Il a dit que la partie extérieure est en effet un costume et qu'il est très difficile à pénétrer. La hache la plus tranchante dont il pouvait s'emparer était nécessaire pour percer la combinaison, et à l'intérieur de celle-ci, ils trouvèrent un être reptilien. Je dirais que l'histoire ci-dessus est vraie à environ 50%. Il est vrai que le corps gris est une combinaison spatiale que l'AIF utilise pour voyager dans l'espace, mais il est totalement inventé de dire que nous avons besoin d'un coup de hache pour percer la combinaison. Cependant, le reste de l'histoire est aussi incroyable. Il n'y a pas d'être à l'intérieur de la combinaison spatiale, reptilien ou non. Ce que l'AIF fait, c'est qu'il transfère la conscience de ce corps robotique à moitié biologique et l'utilise ensuite pour voyager dans l'espace. C'est un terminal d'ordinateur, quelque part. Par conséquent, le nombre d'autopsies pratiquées sur ces êtres n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'autre corps physique à l'intérieur de la combinaison. Ben si, en cas. Si, il y a même des organes qui ne correspondent pas aux nôtres. Pas le même nombre et tout ça, et pas le même système, paraît-il, parfois. Bon, je reprends. Je sais que les gens ont rencontré d'autres types d'êtres que les gris, mais nous avons également ce phénomène appelé changement de forme, shape-shifting. Un grand nombre de millions de Lucifer dans l'univers sont ses propres hybrides sous une forme ou une autre. Quand il a conquis un monde quelque part, il crée rapidement son propre peuple, car il est plus facile à contrôler. Il peut contrôler le reste de la population qui est maintenant prisonnier de guerre et choisir de rejoindre la mission de Lucifer ou de résilier. Et ça veut dire quoi, résilier? Ça a sûrement des conséquences. En outre, il a été également créé de nouveaux mondes, auparavant stériles, avec ses propres hybrides. Lucifer. Qui sont bien entendu des êtres physiques qui doivent voyager dans l'espace en utilisant la technologie de Lucifer, c'est-à-dire transférer leur conscience de leur corps d'origine vers une combinaison spatiale de gris. Ensuite, nous avons des êtres tels que les Nomo qui ont choisi de suivre Lucifer. Beaucoup ont été tués dans les guerres syriennes, sur Sirius, hein, pas en Syrie. Mais leur feu et leurs avatars ont été emprisonnés par le Han Enlil dans l'étoile sombre de Sirius. De plus, leur privilège de devenir des dieux créateurs leur a été enlevé en raison de la destruction de leurs avatars. Dans leur cas, leurs feux peuvent toujours s'accrocher à l'avatar endommagé afin de maintenir les feux ensemble, mais ils ne pourraient plus jamais utiliser leurs avatars pour voyager dans l'espace. En raison du destin de ses serviteurs, syriens, Lucifer a créé une lignée sanguine sur Terre pouvant abriter les âmes, les feux, des nomos. En pénétrant dans la prison de Sirius, de nombreuses âmes de Nomo pourraient être libérées et transférées dans ces corps hybrides humains sur Terre, spécialement créés pour s'adapter au feu de Nomo, aux âmes nomiques. Bien qu'ils aient apporté avec eux leurs avatars endommagés, ces lignées ne pourront jamais effectuer de nano-voyages, pas même avec un corps humain hybride, car leurs avatars irréparables ne pourront pas le gérer. Les nomos sont toujours limités à voyager dans l'espace dans des vaisseaux spatiaux ou des embarcations creusées avec des combinaisons spatiales de gris. Et on va s'arrêter là pour cette longue lecture. À l'orée du chapitre 6.1, la ligne de démarcation entre les mondes physiques et le monde spirituel, c'est le titre général du livre, enfin du papier du prochain chapitre, et que
J'espère que vous allez avoir envie de suivre, que ça vous a plu, et je vous souhaite un bon courage pour continuer à tenir la dragée haute, comme on dit quelque part. Salut!